Chers concitoyens africains, bonjour. Je vous parle aujourd'hui depuis la Suisse en tant que conseiller exécutif en chef de l'État de Nantes. Nous avons créé une organisation du nom de l'État d'Union. Nous sommes une organisation qui milite pour la création d'un État d'Union africain. Nous sommes une organisation qui milite afin que les langues africaines deviennent officielles en Afrique, dans toutes les collectivités où elles constituent les langues maternelles des populations. Nous sommes une organisation africaine qui se bat pour que ceux dont la colonisation a anéanti la notoriété et l'honneur, ceux qui ont incarné le pouvoir en Afrique, les valeurs de l'Afrique, depuis des générations, les pouvoirs coutumiers, nos rois, nos princes, nous nous battons qu'ils reviennent enfin au pouvoir honorifique, pas comme ça s'est passé il y a 60 ans. Nous sommes une organisation qui se bat pour que les citoyens africains issus de la traite des nègres, tant vers l'Arabie que les Amériques, nous nous battons pour dire que ces personnes sont des Africains, ces hommes et des femmes et ces femmes sont aussi bien des Africains que les Africains du continent. Nous allons refonder notre famille africaine. Ce ne sont pas les négriers qui vont gagner, qui vont déchirer notre famille. Quelle qu'en soit la souffrance qui nous sépare de ces peuples qui ont leur langue, qui ont leur culture, qui ont leur civilisation, ils sont des nôtres. Nous devons leur tendre la main. C'est un devoir essentiel, c'est un devoir historique que nous, Africains, nous ne pouvons pas ne pas honorer. Nous sommes enfin une organisation qui s'est dit qu'on va s'emparer de l'économie. Jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique n'a pas arrêté de régresser sur le plan économique. Les autres citoyens du monde ne valent pas mieux que nous. Ils détiennent 99% de l'économie de la planète. Et nous, Africains, nous avons moins de 1% de l'économie de la planète. L'économie en Afrique n'est même pas détenue par les Africains. Nous trouvons ça inadmissible. Notre organisation, ça fait 10 ans qu'on se bat. Ça fait 10 ans qu'on parle au pouvoir public en Afrique. Ça fait 10 ans qu'on fait du lobbying, qu'on essaye de faire porter de nouvelles idées. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Nos messages sont inaudibles en Afrique.